Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour la haul Action et Nose. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action et Nose. Des dyes, hein, comme d'habitude, des tampons, voici un petit peu. Donc, voilà, donc je vais vous montrer. Donc, chez Action, comme tout le monde, j'ai trouvé des dyes de Noël. Donc, je vais vous les montrer. Le premier, ça c'est un dyes de fond. Voilà. Ça fait des petits points, donc on fera certaines façons. Je vais faire certainement des cartes avec tous les dice de Noël, essayer de vous faire un tuto pour chaque dice. Donc là c'est le premier, peut-être même les mêler les uns avec les autres, hein. Ça c'est le deuxième avec les sapins. Alors moi j'adore, je trouve trop beau. Maintenant je vais voir comment il se coupe parce qu'on voit pas trop bien sur l'image à l'arrière, on sait pas. Je vais voir, je vais vous faire la découpe avec un tuto, bien sûr. Là, j'ai trouvé le traîneau du Père Noël avec les petits dards, là, enfin les petits rennes de Noël. Là, je les trouve plutôt sympas. Ils sont à 3,49 le dice. Ça, c'est encore un tampon de fond. Donc, celui-là, on peut s'en servir pour Noël, mais je pense qu'on peut s'en servir aussi pour autre chose. Voilà. Celui-ci, avec les flocons, pareil, un dice de fond. Je trouve plutôt sympa, à voir ce que ça va donner à la découpe. Celui-ci, j'ai hésité à le prendre, je vous avoue, parce que ben, je le trouve pas top, top, top. Donc je pense que celui-là, je suis même pas sûr que je vais l'utiliser. Je vais avec le petit biscuit. C'est vraiment des petits. Remarquez. Pour mettre sur ajouter sur une carte de Noël, ça peut être sympa d'avoir des petits sujets comme ça. Avec là, vous avez les boules de Noël. Donc c'est plutôt rigolo. À voir. Là, vous avez la crèche, l'espèce de maison. Non, c'est même pas une crèche. C'est une petite maison de Noël. C'est sûr que j'en ai déjà une, mais c'est pas grave. Pas la même, hein. Pas la même. L'ancien modèle, et pas de chez Action d'ailleurs. Voilà, ça c'est les gnomes. Je les trouve plutôt rigolo. J'aurais bien voulu trouver des tampons comme ça. Faut que je regarde pour trouver ça sur Tonton Ali ou peu importe, voir si je peux trouver des tampons gnomes. Voilà, et là vous avez les feuillages de Noël. Mais je pense que là, vous en avez qui s'embossent. À voir ce que ça donne. Les feuilles de houx, j'aime bien. Donc, à voir. Là, vous avez une petite maison que vous pouvez monter, du coup. On va essayer de faire ça en tuto. Voilà. Et là... Vous avez, ah ben j'en ai encore un derrière. Là vous avez la cheminée. Et ici vous avez les boules de Noël. Différentes boules de Noël en forme de cloche. Donc ça en plus vous pouvez les réutiliser pour Pâques. Et ça, ça doit s'embosser. Il y a des trucs qui s'embossent. Voilà. Donc ça, c'est les dice de Noël de chez Action. J'ai repris également pour mon journaling des rollers de colle. Moi je préfère bosser avec ça pour faire le journaling parce qu'au moins ça coule pas partout. Et voilà, du coup j'en ai repris 6, donc j'en ai d'avance. Il y en avait, donc j'en ai profité. Donc ça c'est les dice de Noël. Ensuite chez Nose, j'ai trouvé quelques bricoles. Alors j'avoue que je n'ai pas pris grand chose parce que je trouve que ça a vachement augmenté. Je n'ai pas le souvenir d'avoir payé des tampons Studio Light à ce prix-là. Donc 5,99. Je n'ai pas le souvenir d'avoir payé aussi cher. C'est vraiment un truc de fou. C'est l'inflation, oui, mais voilà, quoi, à un moment donné, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je ne les ai jamais payés ce prix-là. Donc j'ai trouvé celui-ci. Vous avez le petit nounours ici avec le set de tampons. C'est un nounours à monter.
Il est là. Je le montre comme ça, ce sera plus simple pour vous. Voilà. J'ai trouvé celui-ci avec le petit chat. Pareil avec les tampons qui vont avec. Donc là, vous avez les yeux. Et les différents sourires du chat à monter. J'ai trouvé celui-ci, une petite souris. Pareil avec les tampons et les matrices. Voilà. J'ai trouvé celui-ci. Donc là, c'est un chat. Par contre, là, vous avez le tampon du chat et la matrice qui est là. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, vous avez une petite glace. Glace. Un petit cupcake ici. Donc je trouve ça plutôt sympa. À voir. Ici, vous avez un espèce de petit nounours encore. Et là, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez, le donuts. Encore un donuts ici. Là, vous avez le plateau pour poser les donuts. Je trouve ça plutôt rigolo. Avec le dice. Pour faire les moonbirds, ça peut être sympa de faire un moonbird comme ça. Ici, vous avez notre petit nounours. C'est pas le même. Hein. Avec le dice aussi. Les différentes choses. Donc là, vous avez une boisson. Un mug. Ici un gobelet et vous avez les découpes pour tout. Ensuite j'ai trouvé celui-ci avec la petite dame. C'est la petite dame qui me plaisait bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Et il y a des écritures, mais tout est en anglais. J'ai même pas si c'est de l'anglais d'ailleurs. Je me demande même si c'est pas l'allemand. Ouais, je crois même que ce soit, je pense même que c'est allemand. Donc voilà. Ensuite, en taille, j'ai trouvé celui-ci. En forme de petit pulse. Donc il est à 3,50 celui-là. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. J'aime beaucoup le cœur. Un peu destroy comme ça. Des écritures today live, là c'est de l'anglais c'est sûr. Par contre 6,99, je vous dis j'ai jamais payé mes Dice Studio Light à ce prix là chez nous, c'est la première fois. Celui-ci je l'ai payé presque 10 balles. Ça fait une enveloppe comme ça. Et je vous jure, je vous dis là je l'ai pris, mais je suis sûre de ne jamais avoir vu payer ça comme ça, quoi. Là, j'ai trouvé une planche de mots tout en anglais à 3,50 €. Vous voyez, c'est tellement pas cohérent, en fait. Voilà. 3,50 € la grande planche de mots. Et là, j'ai trouvé deux pochoirs. Celui-ci, je l'ai pris pour faire un moonboard parce que je le trouve plutôt sympa. Voilà, et celui-ci, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les détails. J'ai pas trouvé le tampon qui va avec. Je sais qu'il y avait des tampons qu'elle est avec, mais là, je les ai pas trouvés. J'ai trouvé vraiment que le pochoir. Et les pochoirs étaient à 2,99 €. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mes petits achats du jour. Enfin, du jour. De cette semaine. Honnêtement, là je les ai pris, mais si s'ils reparaissent avec des prix pareils, je pense que je n'achèterai plus mes tampons sur chez Nose. Je pense que je vais finir par continuer à acheter sur AliExpress et Shein, parce que là je trouve ça mais vraiment excessivement cher. Voilà, même si c'est déjà pas cher, hein, mais je trouve ça quand même cher pour du pas cher. Voilà, voilà, voilà. Ça là. Faut pas abuser quoi. 10 balles ça. Alors je l'aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aime bien le style, l'enveloppe et tout, parce qu'en plus je peux faire comment dire, une memory texte avec. Mais ça se limite à ça quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, moi
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.